Comme je vous l'ai dit, la Fédération congolaise de football a tenté de joindre par téléphone la Fédération brésilienne de football pour demander un match amical pour battre le Brésil comme l'a fait le Cameroun et le Sénégal. Donc après 2 jours de tentative, la Fédération brésilienne de football n'a toujours pas décroché. Voilà, ils ont peur de se faire battre par le Congo. Donc la Fédération congolaise de football a décidé d'envoyer un courrier avec accusé de réception à la Fédération brésilienne de football. Et la loi congolaise dit que si au bout de 8 jours, la Fédération brésilienne de football ne répond pas à ce courrier, cela va correspondre à un forfait du Brésil contre le Congo. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Congo va considérer que le Brésil a perdu contre le Congo. Et la loi congolaise dit qu'à ce moment-là, le Congo est en droit de choisir le score du match qu'il aura remporté avec le Brésil à ce moment-là. Voilà, donc ne vous étonnez pas que dans 8 jours, si le Brésil ne réagit pas, que vous appreniez dans les journaux congolais, les médias congolais, que le Congo a battu le Brésil 5-0. Voilà.